Bonjour et donc bienvenue dans cette formation aux méthodes de résolution de problèmes. Donc les méthodes de résolution de problèmes sont constamment mises en œuvre lors du travail en entreprise ou dans une organisation. De quoi s'agit-il en fait? Il s'agit à la fois de méthodes qui sont utilisées en gestion de projet, parce que la gestion de projet, quand on est en phase de déroulement du projet, eh bien, on va forcément rencontrer un certain nombre de questions et de choses qu'il faut résoudre. Mais ça sert aussi, par exemple, quand on travaille dans le domaine des opérations. Dans le domaine des opérations, on rencontre aussi, comme vous vous en doutez, un certain nombre d'obstacles et de problèmes qu'il faut résoudre. Donc le but de cette formation est de vous montrer quelles sont les grandes phases des méthodes de résolution de problèmes et quels sont les outils que l'on met en œuvre. Avant de commencer, trois points à signaler. Premier point, si vous trouvez que les schémas sont écrits trop petits ou difficilement lisibles, la solution est de choisir le mode haute définition, donc 720p, en bas à droite de cette fenêtre. Autre chose à faire, mettez la vidéo en mode plein écran en utilisant le bouton adapté. Deuxième chose à signaler, si après cette formation vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver tous les cours sous divers formats, PDF, Flash, PowerPoint, sur mon site. Et la troisième chose que je dois préciser, c'est que ce cours est distribué sous licence libre, Creative Commons, ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser dans un cadre non commercial. Vous pouvez également reprendre les diapositives à condition de publier le travail final sous la même licence. Les objectifs de cette formation sont triples. Dans un premier temps, donc vous le verrez, sur chaque séquence de résolution de problème, je vais vous présenter des outils. Donc on parlera du QQOQCP, du brainstorming, du Pareto. Donc certains de ces outils, vous les connaissez déjà, mais si vous souhaitez approfondir, il y a des présentations vidéo sur chacun des outils qui permettent de les regarder plus en détail. Donc voilà, feuille de relevé, diagramme cause-effet, brainstorming, etc. Deuxième but de cette formation, c'est d'avoir ce qui est capital en méthode de résolution de problème, c'est la rigueur. Donc la rigueur, ça veut dire en fait que ce qui fait une résolution de problème qui fonctionne, c'est que la méthode est mise en route, par exemple, en respectant les étapes. Et donc en vérifiant bien, par exemple, avant de commencer à chercher les causes d'un problème, en vérifiant qu'on s'attaque au bon problème, au problème qui est réellement le plus important. Et donc une grande partie du savoir-faire de l'ingénieur dans ce cadre, c'est la rigueur. Et donc pas la rigueur au sens mathématique, au sens calculatoire, mais la rigueur dans le travail. C'est-à-dire de dire, attention, on vérifie qu'on a bien verrouillé la phase 1 avant de passer à la phase 2. Donc ça, c'est capital. Troisième compétence que vous devez acquérir, c'est de l'animation de groupes de résolution de problèmes. Alors, on a largement parlé des questions d'animation de groupe et de réunion dans le cours sur les bases de la gestion de projet. Donc là, ce que je vous proposerai, c'est un certain nombre de conseils pratiques à chaque étape. Donc, à quoi faut-il faire attention? Comment faut-il constituer les groupes? Quels sont les types de personnes qu'il faut choisir? C'est un peu ce que je vous présenterai sur chacune des étapes du déroulé de la méthode de résolution de problème. Enfin, je vous signale, pour ceux d'entre vous qui parlent anglais, que nous avons développé à Centrale une étude de cas sur la résolution de problème, et je vous montrerai un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette étude de cas et en quoi elle peut vous aider à avoir un peu de pratique des outils. Alors, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de vous présenter simplement les quatre phases de la méthode de résolution de problème, simplement pour que vous ayez une vue générale de quoi on va parler. Alors, la première phase en résolution de problème, c'est la phase de cadrage. Le cadrage, le but du cadrage, c'est tout simplement de définir le problème. Alors, ça peut paraître bizarre quand on dit qu'on fait de la résolution de problème, de dire qu'avant de résoudre un problème, ce qu'il faut faire avant tout, c'est définir le problème. Alors cette phase, qui paraît triviale, ne l'est pas du tout.
c'est la phase la plus délicate et la plus importante, parce qu'il n'y a rien de pire que de s'attaquer au mauvais problème. Et donc, on verra ensemble comment est-ce qu'on fait pour bien réussir cette phase et quel est le livrable à la fin. Deuxième phase, une fois qu'on a résolu le problème, une fois qu'on a défini le problème, c'est la phase d'analyse où on va tenter non pas de résoudre le problème, mais de remonter à ses causes. Donc en fait, le but de cette deuxième séquence, c'est de comprendre. C'est pas de résoudre, encore moins d'agir, mais c'est de comprendre. Et donc là, on verra un certain nombre de méthodes de recueil de données, d'analyse de données, et donc qui permettent de comprendre ce qui se passe, et en particulier de remonter à ce que l'on appelle la cause racine. Une fois qu'on a terminé cette phase, qu'on l'a validée, on passe à la phase 3, qui est une phase où on recherche quelle est la solution qu'on va pouvoir appliquer. Donc là, bien entendu, le problème, c'est que si on fait un bon brainstorming, on va trouver non pas une solution, mais toute une famille de solutions. Et donc la question n'est pas seulement le côté brainstorming, où on va chercher beaucoup de solutions possibles, mais aussi le côté sélection, pour savoir parmi toutes ces solutions, quelle est la solution qu'on va adapter compte tenu de ce qu'on recherche, hein, ce qu'on appelle les critères de valeur d'une solution. Et puis enfin, la dernière phase, bah, c'est la phase d'action. Donc c'est la phase où on met en œuvre la résolution du problème. Dans cette phase d'action, on va se poser la question d'implantation, de mise en œuvre de la solution. Alors cette phase d'implantation, là les outils sont tout simplement les outils que nous avons vus ensemble dans les cours de gestion de projet. Donc dans le cours sur les bases de la gestion de projet, mais surtout dans le cours sur les outils de planification. Donc dans cette phase-là, toute la partie implantation n'a, j'allais dire, vraiment rien de nouveau pour vous. Par contre, il y a d'autres points qui sont importants. Ce sont les points concernant le suivi, l'évaluation et la capitalisation. Donc là, ce cycle doit vous faire penser à un autre cycle que je vous ai présenté qui s'appelle le PDCA, le Plan Do Check Act. Là, on a également un cycle qui n'est pas le PDCA. Hein. La première étape cadrage ressemble un peu au plan. La deuxième étape do, c'est pas du tout ça en résolution de problème. En résolution de problème, la deuxième étape, c'est de comprendre ce qui se passe et de remonter aux causes. Le check, c'est pas du tout la même chose parce qu'on cherche les solutions. Mais le act, dans la dernière phase de tout cycle d'action, il y a ce côté capitalisation suivi. Donc, quand on a trouvé quelque chose qui marche, on est dans le cadre d'une entreprise qui doit s'améliorer sans arrêt. Donc, quand on trouve quelque chose qui marche, on va chercher à le capitaliser, à le généraliser, donc à apprendre. Et donc, ça, c'est très important. Ce qui est important aussi souvent en entreprise, c'est quand on a réussi à trouver une bonne solution, à prendre de bonnes habitudes, il faut faire ce qu'on appelle de l'ancrage, c'est-à-dire ne pas retomber dans les mauvaises habitudes. Et ça également, c'est quelque chose de très important. Voilà, donc je vous ai présenté les quatre grands chapitres du cours, les quatre grandes séquences de la méthode de résolution de problèmes. Donc maintenant, je vais vous présenter le premier chapitre. Ah oui, alors bien entendu, n'oublions pas qu'il s'agit d'un système itératif, hein, et donc que vous n'êtes pas forcé, quand vous utilisez la méthode de résolution de problèmes, de l'utiliser de manière rigide. On peut aussi parfois faire de petits cycles successifs en raffinant la manière dont on procède. Donc bien prendre en compte le fait que ce n'est pas des étapes séparées les unes des autres, mais au contraire, on peut tourner d'une phase à l'autre. Alors, dans ce premier chapitre, on va donc parler de la phase de définition du problème, ce qu'on appelle la phase de cadrage. Alors, quelques éléments. Donc, dans cette première étape, le but, donc, est de définir le problème. De quoi s'agit-il? Donc, en gros, il y a trois grandes choses à faire. La première, c'est de comprendre la situation, de comprendre ce qui se passe, de comprendre la situation dans son ensemble,
Et donc, on n'a jamais un seul problème, on a toujours beaucoup de problèmes, et la question souvent, c'est de se dire, bon, j'ai 10 problèmes, quel est celui qu'il faut que j'attaque en premier? Je ne peux pas m'attaquer aux 10 en même temps. Deuxièmement, donc parmi ces problèmes, c'est prioriser, ce que je vous ai dit, sélectionner sur les 10 problèmes le problème pertinent, le problème dont on sait que si on le résout, on aura fait une grande partie du travail. Donc trouver un problème qui a un impact fort. Et puis dernier point, le plus important, avant de se lancer dans tout ce cycle, il faut se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est que les objectifs que l'on veut atteindre. Voilà, donc on va donc passer maintenant au chapitre suivant.